Ce soir, notre rencontre du monde urbain était sur le thème du sport et de l'entreprise et du coup la différence entre ces deux terrains de jeu. On a donc accueilli trois personnalités avec des parcours très variés, très riches, qui ont partagé avec nous leur point de vue, leur expertise, leur humanité par rapport à ce sujet et comment ils le vivaient chacun dans leur domaine. L'idée ce soir, c'était à travers ces témoignages de voir dans quelle mesure le sport peut inspirer l'entreprise, notamment dans le management. Ce qui a été important pour moi en tant qu'entraîneur, ça a été de faire en sorte que l'équipe soit performante et pas l'individu seul soit performant. Et ça, en fait, je le reproduis aussi dans le monde de l'entreprise. C'est de trouver quelles sont les motivations pour faire en sorte que l'équipe se transcende et aille vers plus de performance. Je me suis rendu compte assez rapidement que quand on recrutait, on avait tendance à recruter les gens qui nous ressemblaient, qui avait une similarité sur la façon de penser, on a souvent peur de la différence, ben là c'est plutôt essayons d'en faire une force, on va faire en sorte que ces gens-là, ensemble, ben, on trouve un nouveau terrain qui est beaucoup plus grand que celui qu'on avait dessiné auparavant. Pour gagner un projet, gagner un grand match, une belle victoire, bah c'est déjà avoir des gens avec qui on aime travailler, avec qui on est capable de travailler, parce que ça c'est important, et surtout c'est rendre aussi de la considération et de l'importance à tous les gens qui nous entourent pour atteindre l'objectif. C'est pas obligatoire d'avoir que les meilleurs dans une équipe. Par contre, avoir une vraie diversité de profils qui sont complètement en corrélation pour pouvoir travailler et surtout amener quelque chose de plus à l'objectif ou à l'équipe sur le projet, ça c'est plus intéressant. La data, c'est hyper important dans un fonctionnement sportif, mais l'humain reste prioritaire. Mais par contre, se servir de la data, ça nous amène encore plus de clarté dans ce qu'on veut faire. Je pense vraiment que l'expérience sportive peut complètement se porter dans l'univers managérial, dans celui de l'entreprise. Il faut réapprendre un certain nombre de choses dans un collectif d'entreprise ou bien retirer éventuellement des petits défauts ou les excès des qualités qu'ils avaient. Il faut être extrêmement attentif à la performance des individus, mais être conscient que la vie en entreprise, c'est vraiment un exercice de long terme, là où le sport de haut niveau, c'est une succession de sprints un peu extrêmes. Le collectif est fait de gens très très divers, et donc il faut accepter que les parties du collectif, qu'on va manager différemment, qu'on va motiver différemment. Donc il y a vraiment ce mix de similitudes et en même temps de différences. On croit beaucoup à l'ouverture, on croit beaucoup à la découverte, au partage. Et cette soirée était l'occasion, encore une fois, de permettre à chacun de partager ses expériences et ce que chacun en a tiré pour son propre parcours professionnel en tant que manager, en tant que capitaine, en tant que coach et en tant que décideur.